Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là c'est la partie 8 de la maquette du Saint-Gilles de 1877. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur cette maquette. J'ai franchement bien avancé. Donc j'ai fixé le gouvernail. Voilà. J'ai mis aussi la barre de direction. Après, j'ai mis tout plein de petits éléments, comme le drapeau, la structure en bois qui tient le drapeau. Là aussi, il y a la petite cabine du capitaine. Voilà, les espèces de traverses pour tenir les tonneaux. Un plancher pour pas que les tonneaux se cassent la figure dans la maquette. De toute manière, ils sont collés, mais bon, c'est histoire de faire un truc bien. J'ai mis également tout le plancher à l'arrière et à l'avant. Après, j'ai collé aussi les. Alors, c'est des éléments en plomb. Voilà, c'est pour accrocher les cordages des voiles. Et j'ai mis aussi des petits éléments en laiton. C'est des petits anneaux. Voilà. J'ai fixé également le mât. Voilà. Et j'ai mis ces petites, je sais pas comment on appelle ça, c'est des morceaux en bois, enfin c'est de la déco quoi, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Enfin voilà. J'ai mis aussi ça. Donc c'était un peu compliqué de faire les formes là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ces petits morceaux de bois, je les ai mis sur une visseuse, sur le mandrin d'une visseuse, sans trop serrer pour pas abîmer le bois. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tourner tout en mettant une lame de cutter pour enlever de la matière pour faire le contour. Voilà. J'ai attaché aussi l'encre et j'ai mis le mât. Enfin, c'est pas une sorte de mât, c'est pour attacher les voiles à l'avant. Voilà. J'ai mis également ces parties-là. C'est pour attacher. Enfin, c'est pour faire tenir cette partie-là, je pense. Sur un vrai bateau, je pense que c'est pour faire tenir cette partie-là. Enfin voilà. J'ai vraiment beaucoup avancé. Enfin, tout ce qui est. De toute manière, tout ce qui est sur la boîte. Bah, ça y est, hein. Les morceaux de bois. Donc, j'ai fait ça avec du sol pleureur. Et puis après, bon, bah, j'ai fait avec les éléments qui étaient fournis dans la boîte pour faire ces tas de bois là. Voilà. Après, tout ce qui me reste à faire, c'est la peinture. Coller l'étiquette du Saint-Gilles. Et mettre les voiles ainsi que les poulies et tous les cordages. Voilà. Bon, bah. On se retrouvera pour une prochaine partie, enfin la partie 9, où je pense que j'aurai fait toute la peinture de la coque. Il me restera plus que la partie 10 avec. La maquette terminée. Voilà.
Allez, salut.